Des runes, des runes, des runes, et encore des runes. Voilà, donne-moi mon dû. C'est tout ce qu'on te demande. Voilà. J'aime ce sentiment de puissance, surtout en fin de jeu. Donc, niveau 231, ben, je passe 232, je mets tout dans la vigueur. Mon but est d'avoir 99. Et là, je vais pousser le truc jusqu'au bout, parce qu'en fait, je vais aller à Radagon. Et pour le défoncer, pareil, aussi rapidement. Voilà, ça y est, là, je suis en mode lâcher les chevaux, lâcher tout. Je roule sur tout le monde pour atteindre mon New Game Plus 7 le plus rapidement possible sans faire tout un plat non plus. Parce que là, même si je tue Radagon, je vais revenir en arrière. Je vais pas lancer le New Game Plus 2 maintenant. Parce que j'ai encore des trucs à faire, notamment faire la quête de Fia pour tuer le dragon, qui est le dernier boss primordial, ou en tout cas un boss qui contient un souvenir. C'est le dernier boss du jeu qui me manque. Le dragon de Fia, là. Donc faut juste que je fasse ça. Et après, je prendrai tout le temps qu'il faut pour... alors, tu vois, voilà, c'est là que... Hop. Parce qu'il y a Ohara Loup, hein, le fameux Ohara Loup. Alors, déjà, pour être sûr que tout se passe bien. Voilà, très bien. Ensuite, on se connecte. On se connecte online. Online. Voilà, ok. Donc là l'omniscient, donc je lui ai fait le coup de du dragon putréfié à distance. Hop, voilà, multijoueur. On active ça. Et on regarde s'il y a des marques d'autres joueurs. Parce que là je n'ai personne sous la main de dispo. Et lui au Haralou. On va se le faire avec la lance de Mogui, non? On va se faire avec la lance de Mogui, non? Voilà. Si je peux le putréfier, alors attends. Pour être sûr qu'on m'entende bien, voilà. Je vais baisser le son du jeu. Donc si je peux le putréfier avant, ah ben voilà, super. Enfin, à moins que ça ne marche pas, parce que souvent... Quand j'invoque un allié, bah, des fois après ça... Ça me met impossible de l'invoquer. Bon. Mais là, c'est bon. Là. Si, surtout si j'en ai deux, c'est encore mieux. Donc, voilà. Hein, je me permets de faire ça parce que ça, c'est des boss que j'ai affrontés en solo. Hein, donc, voilà. Donc, là, je suis pas en mode oui, il faut faire absolument les trucs. Merde, j'ai enlevé le truc. Très bien. Allez, c'est parti. Même un seul suffit. Voilà, allez. J'ai jamais vu faire ce coup là. J'aime bien me friter contre lui, j'adore. Oh Harald, le guerrier. Voilà, il a baissé. Il a tourné le dos. De le putréfier. Le pauvre, je sens qu'il va pas faire mon feu. S'il y en a un deuxième qui... T'es sérieux, il y a eu un mort? Non mais le gars... Voilà. Je suis assez loin, ouais. Enfin, les gars, en fait, c'est ça, c'est le problème des mecs quand ils jouent online, en fait, c'est qu'ils se laissent trop emporter. Ils font plus attention au pattern du gars, quoi. Merde, putain. Putain, les mecs, ils sont morts, quoi. J'arrive pas à sauter. Ah là maintenant,
m'en veut, hein. Forcément, il m'en veut, hein, vu que j'ai invoqué toute la Smala pour le battre. Et là, j'ai l'air bien malin, là, face à lui, là. C'est exactement, c'est précisément quand il est dans cette forme que... Ouais, c'est bon, je suis assez lent. Oh, putain, il était... Je croyais qu'il était super lent. C'est précisément quand il est dans cette forme que... Jamais avec ça, c'est beaucoup trop lent. Ah merde, je pensais être assez loin. Oparalu, le guerrier. Pas le faire tomber. Ouais, tant mieux. Bon les mecs, hein. Parce qu'en fait, quand on joue comme ça en coop, hein, c'était pareil dans Nioh, parce que les mecs ils s'enflamment trop. Ils pensent trop que parce qu'on est plusieurs, bah c'est bon, tu sais, ça va le faire, on va rouler sur le truc. Et non, et non, il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention, faut pas se laisser emporter. Alors tu sais quoi, je vais rester au bâton putréfié. Parce que quand je suis au bâton putréfié ou bouclier visage, ça me donne moins envie absolument de lui placer la compétence, quoi, tu vois. Voilà, ça me donne moins envie. Donc ça me fait être plus prudent. Donc il faut que je reclaque. Voilà, ça. Et voilà, ouais, ça me force à être un peu plus prudent. En plus, il me semble que je l'ai empoisonné, hein, au début. Ouais, mais ça, là c'est la putréfaction là, que je veux faire. Là. Ouais, bon, ça va. Il y a du monde. Hein. J'en profite. Hein. Je rappelle, je joue sur Play. Hein, sur PS5, donc sur Play. Sur ces jeux-là, il y a toujours plus de monde. Surtout qu'on est... bon, le jeu est sorti il y a 2 mois, mais il bat toujours son plein, quoi. Voilà. Les ventes du jeu sont bonnes et stables, donc je pense que pendant la première année d'exploitation du jeu, on trouvera encore facilement du monde sur le jeu. Hein. C'est pour ça, hein, j'ai même pas eu besoin de me mettre dans des Discord ou des trucs comme ça, tellement j'étais sûr que j'allais trouver du monde, quoi. C'était évident. Donc là, je l'ai entendu, là, le gars il a fait le seppuku, là, je crois. Ouais, c'est bon, il est putréfié, donc un seul souffle suffit. Alors je vais quand même récupérer mes runes. Voilà, le temps que les autres soient là, occupent son... Voilà. Voilà. J'économise ma fiole pour la deuxième phase, pour le stun. Que c'est clairement en phase 2 qu'il est vraiment très dangereux. En phase 1, je le trouve plus intéressant à combattre en termes de pattern, mais c'est en phase 2 qu'il est vraiment le plus dangereux. Ah, j'ai sauté trop tôt, putain, j'ai jamais le timing pour correctement sauter ici. Ah, déjà là, ça se passe beaucoup mieux. Le décor super, heureusement que voilà, c'est là qu'il faut le stun absolument.
et pourquoi pas le putréfier, pourquoi pas. Ouais, il est putréfié, super, voilà, très bien. Voilà, ça, ça va aider tout le monde. On recule. Ah, super, il l'a stun. Ah, il l'a stun. Ah merde, j'ai loupé ça. Voilà, très bien. Je consomme dès maintenant ma patte. Ah là là, putain, qu'est-ce que c'est bon de faire ce genre de truc. Et là, j'ai sauté. Là encore, j'ai sauté. Double esquive, allez, crève. Donc 702 000 runes, voilà, très bien. Et là, franchement, je vais faire la même chose avec Radagon. Honnêtement, je vais faire la même chose. Je m'en bats les reins 100 fois ni loin. Voilà, là, je vais passer deux niveaux, très bien. Très bien. Alors, ah ben c'est bien. Mes doigts là, ils sont toujours actifs. Ça, ça, je savais pas ça. Donc je vais faire la même chose pour Radagon, en plus ça tombe bien, il me reste une patte de saumure. Si jamais ça foire, ben j'irai en crafter une autre. Ah, quoique, est-ce que je peux pas en crafter une par hasard? Non. D'ailleurs... Ouais, c'est toujours les pattes de volaille à quatre doigts qui me manquent. Là je commence aussi à manquer de comment il s'appelle? De luciole dorée, mais ça c'est pas un problème. Alors, là, je vois pas de traces d'invocation. Parce que Radagon, il est chaud. Hein. De toute façon, cet enchaînement de boss, hein, à part, bon, l'omniscient, lui, ça va, il est gérable. Mais Malikette, Oharalou, le guerrier, et Gundyr, le mec qui s'appelle Gundyr, bien vu. Tu vois, impossible d'invoquer l'allié, tu vois, ça fait souvent ça, bon, ce qui est normal, hein. Enfin non, parce qu'on est en 2022, ça devrait être beaucoup plus facile et pratique, mais bon, voilà, hein, on est sur un jeu From Software et ça, je sais pas, ça marche pas, c'est nul, c'est laborieux, c'est lent, au début, ouais, ok, mais voilà quoi, bon, mais bon, c'est pas le sujet. Bah, très bien, écoute, on va rester comme ça, hein, voilà, j'espère aussi le one-shot pour pouvoir... voilà, utiliser ma patte de saumure et récolter un max de runes. Ensuite, je vais aller chercher le dernier dragon là, comme j'ai dit, hein, celui de impossible. Bon. J'ai réussi à invoquer deux personnes, enfin, ça a mis du temps, mais bon, voilà, mieux vaut tard que jamais. Donc, vu que Radagon est un peu passif dès le début du combat, j'espère au moins le putréfier, et non, ça n'a pas marché. Ça, ça me permet de voir aussi, hein, si on peut putréfier, hein, parce que, voilà, c'est bon, c'est passé. Voilà, très bien, allez, je récupère ma mana. On prend son temps, comme d'hab, on se laisse pas emballer par le fait qu'on est en coop. Voilà, en plus il est congelé, c'est bien. Là il va faire sa super attaque là. Pas celle-ci. Hein. Là, il va charger. Il fait pas sa super attaque parce qu'il est congelé ou pas. Voilà. Il a tué, putain, les gars. Ah ouais, putain, malgré la garde, ça fait du dégât. Moi, Radagon, je le trouve vraiment dur. Vraiment. Oh là là. Ça, ah, c'est bien. Il a pensé à guérir, c'est très très bien ça. Il ou elle. Hein.
Allez. Ah, je l'ai loupé, putain. Ah, c'est dommage, ça. C'est dommage, là, parce que j'avais mis de quoi la stun. Ah, merde. Ah, j'ai mis de quoi la stun. Oh, je suis deg. Parce que lui, la stun, il est chaud. Oh, mince. Allez, sois stun. Les dégâts sont là, c'est déjà ça. Bon, j'aurais dû plutôt essayer de le putréfier. Parce que c'est là qu'il va commencer à faire voilà, ses super attaques Dragon Ball Z de la mort qui tue. Oh, il en fait qu'un seul. Ok. Allez. Il réapparaît. Je vais essayer de le putréfier quand même. Il est un peu trop loin. Là, ça devrait être bon. Allez, bouge pas. Reste là. Reste là, s'il te plaît. Essaye de rester là. Pas. Je connais des patterns. Hein. Lui aussi il est compliqué hein, comme boss. Ah voilà. C'est là qu'il commence à faire les. Là il commence à faire des trucs imparables, intouchables. C'est bon, j'ai esquivé au moins deux. Là il est insaisissable. Hein. À la mano. De toute façon, c'est le bâton putréfié que j'ai, hein, donc ah là, il va le choper. Il l'a eu. Non, il l'a chopé. Non, il l'a pas eu. Lui, c'est joueur. Hein. Celui ou celle avec qui je joue. Hein. La personne avec qui je joue, c'est joueur. C'est bien. Parce que c'est un boss qui a beaucoup de vie, qui a beaucoup de patterns et qui a beaucoup d'attaques. Oh, mais j'étais protégé. Mais ça, c'est les coups au-dessus de la tête, ça. Ça a été rude, Van Nistelrooy, mais c'est bon. Parce que c'est un boss qui a beaucoup de vie. Hein, oh, putain, dans ma carte, ça m'enlève autant. Ouais. C'est violent. Allez, saleté de boss, crève. Ah ouais, là c'est l'attaque magique, l'attaque imparable, en plus j'étais bloqué par le mur invisible. Donc là en termes de lore, si j'ai bien compris, hein, la bête d'Elden, c'est une âme, une entité extraterrestre hein, qui est venue sur Terre. Et que la volonté suprême... a pris pour qu'il devienne l'arbre monde et que l'arbre monde soit le symbole physique de ce que veut bah, la volonté suprême. Alors s'il fait que ces patterns là, ça m'arrange. Allez, on va y arriver. Voilà, allez. Encore un petit effort. Encore un petit effort avant que je craque mon ma patte de saumure. Voilà. Ah, merde. Ah, j'ai pas pu lui placer un dernier coup. Merde, attention, parce que là, faut pas mourir. J'ai pas sauté. Oh putain. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Heureusement qu'il l'a looké lui. Allez, t'es où? Ah putain, allez. Allez, fais quelque chose, gars. Fais quelque chose, mon coq. Fais quelque chose. Voilà, j'ai esquivé ça. Voilà, très bien. Allez, ça me permet de me rapprocher de lui. Il fait le dernier coup. Allez, t'es là, tu bouges pas. Voilà, super. J'ai bien mon scarabée d'or. Et on va voir le nombre de runes, s'il te plaît. Le nombre de runes. Ok. Pff, allez, un million et quelques. Voilà, magnifique. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Ah oui, bah oui, il faudrait que je choisisse une fin. Alors, je vais pas le faire maintenant. Je vais le faire après. Voilà. Ah, c'est fait. Bon, allez. Encore un petit dernier effort pour ce New Game Plus et après, je passerai au New Game Plus 2. Allez, voilà, 93 en vitalité, très bien. Je peux même passer presque un niveau là à 20 000 runes là après. Je peux encore passer un niveau. Voilà. Donc là, je me remets offline. Et parce que le dragon de Fia, là, pour le coup, comme je l'ai jamais affronté, bah, là, pour le coup, je vais le faire en solo, tu vois, quand même. Voilà. Je vais le faire en solo en espérant qu'il soit pas trop trop galère, mon frère. Mais de toute façon, pour ça, d'abord, j'ai beaucoup de choses à faire. Hein, parce qu'il faut que j'aille. Alors, faut que j'aille à Nokron. Mais j'ai préféré passer par le puits de la Siofra. Déjà pour aller voir le marchand. Et puis voilà, j'ai envie de refaire la route que j'avais fait de base pour me rappeler ce qu'il y a de bon ici. Et voilà. Mais bon, là on peut dire que le quasi plus gros est fait.